C'était chouette, mais je me demande toujours ce qui va se passer après les salles, après les quelques salles qu'on est en train de faire, enfin, après les 22 salles finalement. Je me demande un petit peu comment ça va aller. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Let's go! La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et D'accord. oui, le centre est redevenu opérationnel. Génial. Par contre, un truc qui est dommage, c'est que c'est un peu répétitif, les tableaux. Enfin, les tableaux, entre gros guillemets, hein. Au niveau des écrans, c'est un petit peu répétitif, c'est dommage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est tout? D'accord. C'est tout, c'est tout. Oh là là là. Il y a du monde. Alors. Ok, donc je peux mettre des portails, ça c'est bien. Ici comme ça, hop là. Il y a de la musique soudainement là. Alors, tap 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 tap. Voilà. Et ensuite, celui-là, est-ce que je peux... Est-ce que je pourrais simplement l'activer? Ouais. Voilà, tranquille. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Ouais. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette salle était très très simple par contre, c'est un peu dommage. Enfin, j'imaginais que plus on allait avancer, plus ça allait être compliqué. Quand j'ai vu la salle précédente, d'ailleurs, je me dis, bah voilà, ça se complique machin, mais là c'est un peu dommage. Ou alors c'est moi qui ai une super intelligence hors du commun et qui tout de suite... Mais je crois pas, je pense pas. Vous savez, avec un QI d'une huître, c'est pas forcément fastoche d'arriver à faire des puzzle games du genre, mais je me débrouille plutôt pas mal. Je me débrouille plutôt pas mal. Vous me direz quoi dans les commentaires de toute façon? Vous allez sûrement m'engueuler à me dire, mais non, mais t'es con! C'est pas comme ça, tu pouvais faire beaucoup plus facilement, comme ça, comme ça. Ou alors, j'ai bien ri quand j'ai vu à la salle... tel numéro de test quand t'as ramé, c'était drôle. C'était, eh ben c'est pas drôle, voilà. Ouais, je sais que vous pensez ça. Eh ben je vous permets pas, voilà. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Va te faire foutre avec pas tes surprises. Une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise. Bah. Dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais. Notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. Oh, c'est mignon. Alors, hop. Pas moi. On va monter, on verra bien. Je suppose qu'il faut que je fasse ça. J'en sais rien, mais ça fonctionne en tout cas. Un cube. Hé, hey, quoi? Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Hé, hey, Paris. Je hey. Parle dans un accent qu'on peut pas entendre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Le débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez! Courez par où? N'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas! Désolé si ça lag un peu. On va pas faire autrement. Je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Je vais par où? Par là? Voilà, allez-y. Essayez.
c'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me... Vous allez où? Dites, vous allez où? Tiens, regardez, un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, voilà, super. Allez, salope. Salope. Je le savais, salope. C'est pas grave. Je suis naïf. Voilà, c'est tout. Je suis naïf. Bon allez, dépêche-toi, petit chargement. Dépêche-toi, je veux savoir ce qui va se passer. Dépêche. Dépêche. Mais allez, quoi, punaise. C'est Oula. Donc je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Ah d'accord, ok. Ok, je fallait pas que j'aille par là et je suis mort bêtement. Allez-y. D'accord. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. D'accord, ok. Il nous prend pour des idiots. Okay. Donc en fait, je suis un idiot, voilà. Je croyais que c'était juste une trame logique. Enfin, que c'était juste... Oh, je suis un débile, ça va, c'est bon. Ça va, je vous ai entendu. Ça va. Toi là-bas qui étais mort de rire derrière ton ordi, je t'ai entendu, c'est bon, ça va. Par contre, c'est chiant, je me tape un double chargement. Combo breaker. Mais c'est pas grave. Mais ils deviennent chiants, les chargements. Vraiment. Vraiment, vraiment, vachement beaucoup. Pas bon. C'est pas comme si c'était grave, mais quand même. C'est un peu lourd. Par là ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il va y avoir moyen ? Non, il n'y a pas moyen. Ok. Tu devais normalement tomber, toi, petite tourelle. Hein. Allez, tombe. Voilà. Oula. C'est quoi ? Je sors comment, moi ? Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Par ici. Par ici où? Par ici par là ou par ici? On va aller par ici. Encore? Non. Allez, dégage. Voilà. Go go Power Ranger. Voilà la sortie, on est quasiment rendu. On est en train de s'effondrer. Super. Ah non, pas par là. Non, pas par là non plus. Allez. Non, pas par là. Non, ici. Allez. Oula. Ah ouais. Ouais, ciao. Salut. Ok, on continue. Ça, c'est cool. Allez. Ah ouais, chargement. Oh, c'est chiant. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment chiant. Il devrait foutre de la musique ou une animation ou un truc du genre, je sais pas. Ça serait cool. Ou une image. Juste une image drôle. Voilà. Enfin, drôle, entre gros guillemets, à l'image de...
de l'humour qui plane dans le jeu en général, quoi. Un truc, pas moi, sarcastique. L'humour noir ou je sais pas moi. Ça serait cool. Mais non. Et non, et non, et non. C'est dommage. Allez, petit chargement. Tu peux le faire. You can do it. Yes, you can. Allez. 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 Ah, voilà. Évasion. Ah, mon Dieu. Oh, parfait. Vous avez réussi à passer. Suivez-moi, on a encore du boulot. Évidemment que j'ai réussi. Elle peut rien nous faire. Évidemment que j'ai réussi, je suis le meilleur, tout me prend pour qui. Quel pastille ? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. D'accord. De toute façon, c'est difficile de bouger, je sais pas où je vais, donc... Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Ah ! Oh punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Sans blague. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile. Allez. Sympa l'ambiance. Il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi ils crient. Allez, bouge ! C'est terrifiant, je trouve. Moi, je m'en fous. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Tu fais quoi, toi ? Allez, bouge, je vois que dalle. Mais arrête de toucher, déplace-toi, je sais pas, fais quelque chose. Essayez de sauter. Où ? Là ? Ah, ok, d'accord. Continuons, l'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Attention, attention. Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Ah, trop sympa, merci. Youhou. Et puis. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, trop mignon. Trop sympa. Allez, hop. Oh, bien vu ça. Et toi, ou je te portaille la tête. Par où ? Voilà. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi ? Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... Non, pas gros sacs... Voilà. M'occuper des humains tout court. Voilà, c'est bien. Désolé, c'est sorti comme ça. Peut pas, grave, t'en fais pas. Gros sac d'humains. Non, c'est toi le gros sac. C'est toi le gros sac. T'as de boulon, va. Allez. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. Ah bah évidemment. Quel passage? Ah, celui-là. Voilà. T'es où, mon mignon? T'es où? Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Cool. Vous pouvez atteindre ce mur, là-bas? Bien sûr. Ok, il y a un autre mur par ici. Allez. Hop. Hop. Voilà. Non, franchement, les humains, je les adore. Lashbot. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve. Et leur folklore, très exotique. Ta gueule, frotte-manche. Sale bête, va. Bonjour, vous êtes toujours là? Oula. Oh, il y a un mur là en dessous, tiens.
Bon, bah allez, on descend, hein. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Petit con, on va. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Non, on a rien. Ah bah y'a un gras qui joue à Portal, bah voilà. Il s'est laissé avoir lui aussi. Allez, on va descendre par ici. Hop là. Tranquille, tranquille, ça va, tranquille la vie. Est-ce que je peux aller par là ou est-ce que je dois descendre en dessous? Ah mais je peux aller par là. Très très bien. Oh, un chargement. Ça c'est étonnant. Bon bah c'est cool. C'est cool. Du coup c'est plus séparé en test. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas c'est cool parce que ça veut dire que le jeu est plus long que ce que je pensais. Et ça c'est très très chouette. C'est très chouette. Les chargements aussi sont plus longs que ce que je pensais. Ça, ça l'est un peu moins. Mais c'est pas grave. J'aurais dû me mettre hors ligne, en fait. Sur Steam. J'aurais dû me mettre hors ligne. Mais c'est pas grave. Si je m'envoie, on m'envoie un message, eh bien je bloque toute personne susceptible de m'envoyer un message. Comme ça, tranquille. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, chaque fois que je joue à un jeu sur Steam, je me fous hors ligne, comme ça, ça me... m'évite de recevoir des messages. C'est sympa. Oula. Ok. Hop là. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Et puis quoi? Bon, bah, je peux faire ça là, c'est bête. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Trop tard. Et puis je vais où moi? En dessous? Non. Ah. Hop là. Hop. Allez. Hop. Hop là. Là. Voilà. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons rien. D'accord. Toi, je ne t'aime pas. Ta gueule. Eh non, je voulais t'envoyer dans le trou, moi. Pas juste ça. Salut. Hop, au revoir. Sans rancune. alors. Je peux descendre. Je présume que je dois descendre. Au revoir. Oh, mais zut, je voudrais bientôt jeter dans le trou, moi. Arrête de tout le temps atterrir quelque part. Bon, alors, ici. Ok. Oula. Super. Je vais essayer d'arriver derrière. Ce serait pas mal. Non, ici, hop là. Voilà. Et j'attends ça comment, moi? Derrière lui peut-être. Ouais, derrière lui, hop là. Ok. Ok, tranquille. C'est bon. Ok, d'accord. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse.
Modèle. Réponse. Excellent. Réponse. Je suis pas non, en vache, vous m'avez sauvé la peau. Modèle. Où est-ce qu'on va? On s'évade? Je vois rien du tout là. Mince alors, je vois plus rien. Dans le doute, je tire. Réponse. Excellent. Allez, dégage. Modèle. Voilà. Réponse. Alors ce background est absolument énorme. L'univers c'est génial. On y est presque. C'est complètement stupide mais j'adore. Le centre de contrôle des tourelles. Allez. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Et s'il commence à pirater genre Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Ouais. Comment je fais? Ah, comme ça. Bon, bah ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Oh. Alors, voyons comment arrêter cette chaîne de prod. Réponse. Vous avez une idée? Une idée? Pas d'idée? Non. Non. Je peux peut-être me mettre dedans. Ah bah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave. Vous alors. Réfléchissez encore ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Un scan et ça repart. Un succès. Bon, allez. C'est pas moi. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va continuer à réfléchir dans un je silence. Sais. Vous allez où? Dites, vous allez où? Je sais, je sais, je sais. Vous avez une idée? Oui, j'ai une idée. Oui, c'est ça. Essayez votre idée et puis revenez tout de suite. Modèle. J'ai chopé une tour dégueulasse. Et je vais la foutre dans le scanner. Dites, c'est quoi le topo par chez vous? Pour info, je suis toujours là en train de réfléchir. M'en cogne, fous-moi la paix. Modèle. Réponse. Donc, on va foutre une tour défectueuse dans le scanner. Modèle. Comme ça, bah, toutes les tours, toutes les bonnes tours seront, seront jetées, les tours défectueuses. Et qu'est-ce que vous... Voilà. Oh, mais oui, c'est génial. Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production, modèle. Je vais pirater la porte. Réponse. Donc, c'est normal qu'on voit rien. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Modèle. Il va me falloir dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. Allez, on passe. Elle est plutôt compliquée cette porte. M'en fous. Ah. Oh, félicitations. Elle était ouverte depuis combien de temps? Depuis 3 semaines. Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Pour moi ça, la paix. Fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Alors. Oh, une imprimante. Scanner, photocopieuse. Pas franchement un succès. Journée parents-enfants. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi? Enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. 40 batteries patates. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Mm-hmm. Ah tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici. Petit con. Allez, ouvre-moi cette porte. Oh, un temps de chargement. Comme c'est étonnant. Non, n'empêche, ça change un peu le... Je veux pas dire le côté puzzle parce qu'il est pas vraiment là, mais... Ça change un peu, c'est sympa. C'est fort simple, mais c'est sympa.